Merci Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Instagram à Disney. Je reproduis des photos un peu cool à Disneyland Paris et j'ai pris tout le starter kit. J'ai les oreilles ultra instagrammables, le petit sweatshirt et également le sac à dos, les petits pins sur le col, tout ça. Et donc on va se rendre à travers le parc pour reproduire différentes photos. Step 1, aller acheter un ballon. C'est la première fois que je le fais donc ça va être super drôle, on y va. Donc apparemment il n'y a pas de ballon en fait, c'est ça? Je crois qu'il n'y en a pas, non, normalement il y en a là ou juste à l'entrée, mais là aujourd'hui... On n'en a pas vu là autour de Central Plaza, donc on va essayer de se diriger vers l'entrée du parc pour en trouver. Croisez les doigts pour nous, la BC Army. Ce serait tellement le fail. Donc là du coup on est sur Main Street, mais vraiment l'entrée de Main Street, normalement il y a des ballons partout en fait. Et là il n'y en a pas un seul. Wouhou. Ouais bah... C'est un peu le gros fail, non? C'est ça. Genre le spot là qui est là, normalement il y en a tout le temps. À la recherche des ballons quoi. T'en vois? Allons voir ça. Oui, on a réussi à en trouver à l'entrée du parc. Ça a été dur. Grave. Bon. Est-ce qu'il y a des Mickey? Parce que ouais. Moi du coup j'ai vu. Il y a des Mickey? Ah oui, je les vois. Mais c'est super bizarre parce que du coup il n'y en a pas du tout dans Main Street, il n'y en avait pas autour du hub central, enfin on n'a pas compris. On va poser la question hein. En ce jour de Saint-Valentin, c'est un peu un scandale si je peux me permettre. Grave. De toute façon c'était sûr hein. Journée Instagram, ça pouvait que mal se passer pour moi. Du coup on est dans la boutique et on va découvrir deux choses. Déjà, tiens, le prix. Et deux, est-ce que la réduction au passeport annuel s'applique? Suspect, suspect. Trop mignonne! Je me suis fait embarquer mon ballon. La première fois que je prends un ballon. Moi aussi. Et puis du coup la réduction passeport annuel marche hein, puisqu'on l'a payé 8€ grâce au Infinity de Laura à la place de 10. Voilà. Oui, et à tenir le ballon. Prochain objectif, faire des photos avec le ballon. Laura va-t-elle lâcher le ballon? Le suspense est entier. Ah, tu galères pas un peu, Pixie là? Pixie là! Par contre, j'avoue, ça fait une jolie photo de toi là. Te fais pas mal. Et là maintenant, deuxième spot. Juste ici, je vais essayer de reproduire cette photo-ci. Et il faut que j'escalade ça là. Donc j'espère que vous êtes prêts. Ça va être très drôle, je pense. C'est pas mal, hein. On va se faire virer du parc dans 3, 2, 1. Oh là là, oh là là. Mais du coup, il faut que je prenne la photo, moi. Oh putain. Si je fais comme ça. C'est un remix, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Après, il y a du monde derrière. Juste attendre qu'il y ait personne. Là, il faut être patient. Oh, attention. Fais l'amour à la caméra. Qu'est-ce que t'as dit Laura? Fais l'amour à la caméra. Oh non. Oh là là. Ah j'adore. Tu peux passer avec le ballon? Si. Alors. L'accessoire ultime. Lève-toi. Ah oui. Oh là là. Et Pixie, faut préciser que ces cascades sont réalisées par des professionnels, ne refaites pas ça chez vous. Du coup, le désavantage de faire des photos Instagram en plein hiver, c'est que j'ai mis 500 couches. Et l'avantage, c'est que tout le château est bloqué, donc on va pouvoir faire des photos devant sans qu'il y ait personne. Donc allons-y. Alors, le concept de cette photo, c'est que je vais tenir la main d'Alex qui lui doit faire la photo, tout ça en étant dans un angle parfait et avec le ballon coopératif. Enfin bref, on va beaucoup s'amuser, la Pixie Army.
raté. À mon avis, tu peux être là. Parce que là, j'ai bien le château avec plus en face. Voilà, comme ça. Et par contre, c'est pas dans le coin. Ah non, mais non, sinon, c'est pas possible. Faut que je te tiens une idée. Genre comme ça. Ouais, et après. C'est très drôle. Voilà, comme ça. Attends. Vas-y, attends, bouge pas. C'est le starter pack. Du coup, on cherche l'endroit parfait pour faire la photo où on aura le château dans les oreilles. On sait pas encore où se mettre parce qu'à chaque fois, on n'a pas le château en entier. Donc, c'est parti pour la recherche du spot parfait. Parce que là, c'est trop ouais, il faut être plus loin. En fait, c'est à l'entrée. Allez, on va essayer. Alex ! Oui, pardon. Ça dirait trop l'enfant avec son ballon. On voit pas en entier là. Si on se met sur le trottoir d'en face là tout au fond. On va tenter. J'aurais jamais pensé que cette photo était aussi difficile parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a fait sur le parc et en fait c'est loin d'être simple. Hein. Je suis cambrée à l'arrière. Oui. C'est pas la position la plus agréable pour prendre la photo. Hein. Pardon. T'arrives à m'avoir ? Tu veux que... Je pense qu'il faut plus que tu te mettes à ma place. Ouais. Pendant ce temps, Alex se prend avec le ballon. T'y arrives ? Les oreilles sont nettes, mais le château est fou. Ouais, mais en fait, il faut juste que les oreilles soient assez claires, tu vois. Tu vois ? Ah bah c'est déjà mieux. Après, il faut qu'on arrive à en faire où on voit pas l'espèce de haut-parleur, tu vois. Donc je pensais c'est de cacher ça avec une oreille. Tu vois ce que je veux dire ? Ce bazar. Cette photo-là nous plaît, mais en fait, il y a le haut-parleur en plein milieu qui nous dérange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la prendre encore plus loin et vous allez pouvoir voir le résultat. Oui. Il fallait un peu écarter les oreilles vu que c'est pas des officiels, mais je crois qu'on a la bonne. Cool. Yes. On va pouvoir aller manger. Il est 14h30 et on a trouvé un chat avec des ballons Mickey et Minnie. On va essayer de faire cette photo goal de Mrs. Renard. Doucement, doucement. Bon, la Pixie Army, j'ai tenté, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça a été un semi-échec, c'est trop marrant. La vidéo tout comme ça. Grave, un invité anonyme. Donc là du coup j'ai fait la photo avec tous les ballons et c'est très drôle parce que du coup les gens se succèdent pour faire la photo avec les ballons maintenant. Dans le casque, il est en train de la maudire. Donc dernière photo et pas des moindres, on va faire une photo avec Laura. On sera du coup sur le côté du château, je vous laisse la découvrir juste là. Et c'est le côté un peu friendship, ami, tout ça. Donc je vais lui prêter mes oreilles et je vais lui prêter également le ballon. Et moi j'aurai juste le sac à dos Mickey. Est-ce qu'on va réussir?
Alex, c'est ta mission, on compte sur toi. Mais faites semblant que vous prenez la pause au pire de ce côté-là. Vas-y, vas-y. Voilà, faites genre et... Bah n'empêche, c'est pas mal aussi hein. Attendez, c'est pas mal ici aussi. Est-ce que tu peux le tenir un peu moins bas, plus bas pardon. Bonjour, ce sera sur le côté, s'il vous plaît. J'ai tout donné. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo Instagram, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Laura et Alex pour leur patience. Ah j'adore les oreilles comme ça, ça fait trop bien. Ah non, j'avais même pas fait exprès. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 et sur quelle partie du parc vous aimeriez. J'espère que vous serez de la partie parce qu'à mon avis... Bien évidemment. Voilà. N'hésitez pas à me dire également quelle est votre photo préférée ou celle que vous avez déjà fait sur le parc, à liker, commenter, partager et surtout à me mentionner sur les photos que vous aimeriez que je reproduise à Disneyland Paris. Et sur ce, la Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous. Donc là, c'est la fin de journée et comment vous dire? On va faire le don de cette magnifique chose, pas du tout encombrante. Voilà. Donc il faut qu'on trouve un volontaire pour récupérer le, voilà. On va faire le bébé. Plaisir à un enfant. C'est ça. Alors. Oui, chez nous aujourd'hui. C'est ça. Alors, à qui on va le donner?